Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Pierrefeu. On va aller rouloter un petit peu avec les copains. Bon, heureusement je suis en VAE parce que je me suis fait mal à la cuisse. Et en musculaire je serais pas parti, on va voir si j'y arrive. En plus il s'est fait un petit copain. Là il y a le mien. Et puis il y a son grand frère, il est là. Charge le vélo, voilà, va falloir, pas falloir se tromper là, prendre le bon. Le mien est plus joli. Ah, celui à Dédé, il est plus joli. Le retour c'est aussi violent. Bon, on n'est pas parti, on fait déjà de la mécanique. Non, regarde, c'est pas bon, il est trop dans l'autre côté alors. Allez, c'est parti, ça va dérouler un petit peu là. On va aller prendre l'autre côté. On va aller monter, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Monte longtemps, et puis on va se prendre le petit single. Voilà, pour la cuisse, un petit peu mal, on va voir ce que ça donne. Allez, ça descend de suite. Je me rappelle plus de cette petite marche là. C'est rare de descendre dès le départ de la sortie. Il y a un mouchon. Allez, vas-y, trop freiné. Elle est bien. Oh, la cuisse, ça va pas le faire en descente par contre. Je sais pas, c'est vraiment pas mieux valu que je fasse une petite pause. Allez, celle-là est faite. T'as plus qu'à aller. On va basculer de l'autre côté maintenant. Par la route. Une belle petite montée. Allez, on a taqué l'autre côté là. Là, ça monte pendant un long, long moment. Donc, on va voir. Il y en a qui veulent prendre le single en montée. Il y en a qui veulent pas. Alors, on verra quand on y arrive. Allez, on attaque le single. Ça change un peu de défi. Plus dur quand même. T'es mieux sur notre petite défi, non? Non, c'est bien. Cool. Allez, Pascal! Allez, on a réduit la taille du single. Ça, c'est inconfort. En descente normalement, il va nous ramener jusqu'à la cabane en haut. Bon, pour l'instant ça va, la cuisse ça tient, je suis content, un peu mal mais sans plus, à pas trop forcer. Et là c'est cool parce que tu vois, muscu, j'aurais même pas tenté de venir. Regardez-moi comme c'est joli là, en sous-bois. C'est magnifique. Putain, c'est le pied. Ah, c'est le top. Je me régale. Putain. C'est bon de prendre du plaisir. En VTT. Non, reprendre. Allez, c'est fini. On va attendre Pascal. Et on bascule de l'autre côté. Allez, on va chercher la première belle descente. Pas la deuxième, puisqu'on a déjà fait une petite. Elle est dans le petit truc, dans le petit virage là-bas. Il y a pire comme panorama pour aller pédaler. Oh, ça a bien repoussé là.
ça a bien bien repoussé. Alors la fête, il y a un peu plus. Quand j'étais encore musculaire, la dernière fois que j'ai faite. Pas trop à lâcher, comme la dernière fois en fait. Attention à l'arbre. Laisse-toi! C'est que tu prends deux suites de la vitesse. J'ai le frein arrière qui déconne. Là, comme un endurite. Attention, arbre encore! Ah. Je me sens quand même plus à l'aise qu'avec le Rocky. Malgré que j'arrive pas à super lâcher. Je l'accuse. Elle est bien sympa en plus. Bon, après une super descente, on est reparti à l'ascension de la suivante. Là, c'est sur DFCI, si j'ai bonne mémoire, en grande partie. On va aller chercher l'autre versant là-bas. Et puis après, une belle descente qui va nous redescendre sur la route pour récupérer d'où on vient. Ouais. La forme encore aujourd'hui, du coup ça fait plaisir parce qu'on peut se faire plaisir en descente. Un vrai vrai régal, la cuisse impeccable, donc c'est top, franchement topissime. Des copains, une belle sortie, on se fait plaisir, tous les ingrédients sont là. Allez, on arrive à milieu, on arrive à la moitié, c'est là où on va bifurquer de l'autre côté. Allez, on est dans la montée. La dernière fois que je l'ai faite, j'étais sur le vélo d'Alain, si vous vous rappelez. Il n'y a pas de bol, il avait oublié la batterie. Mais avec la batterie, ça pédale quand même mieux. On est bien. Les frères Moonraker. Yeah. Tadadadad. Allez, profitez de ça, les amis. C'est pas beau? Allez, petite montée. Où ça rigole plus. Petite montée où ça rigole plus. Bon, les ardeurs se sont vite calmées. On est passé par la DFCI à côté. Allez, ça descend un tout petit peu. Là, ça fait des crêtes, ça fait ça, ça monte, ça redescend. L'intérieur, mais tout à l'heure on se battre comme une merde.
Allez, ça regonfle. Compresseur et tout dans la colline. Il y a tout. Ah, bravo. On a l'atelier, compresseur, vas-y, il faut refaire un pneu, bim bam boum, on y va, nous on est comme ça au croix team. Bah tu sors ça, tu laisses ta main dedans. Allez, on est lundi matin, on est toujours sur la roue. Atelier technique. On a payé de mèche. On va peut-être repartir d'ici mardi, je sais pas, on va voir là. On est en train de réfléchir à comment. Ça va le faire. Allez, on a récupéré du beau là. Si je me trompe pas, on va aller se choper une belle descente. Si je me suis trompé, ils vont me lancer des cailloux. On verra bien. Allez, je crois qu'on est pas loin de la descente. Ah ça y est, la cuisse, ça commence à se réveiller un petit peu. Tenir le bousin là. On reste un peu plus sur l'avant, ça va. Oh, c'est bon ça. Et là ça remonte un peu, c'est bien ce qui me semblait. Allez, c'est bon tout ça. Allez, on n'a pas peur, on lâche un peu les freins, on essaye du moins. Allez, super pour cette première partie. Allez, je crois que c'est reparti. Oh putain, là faut faire gaffe, faut pas y laisser la jambe, ni le dérailleur. C'est bien qu'il y avait encore une belle descente. Allez, petite erreur de trajectoire. Droite, gauche, gauche, droite. C'était gauche. Enfin, on pense, hein. Celui-là, j'ai plus aucun souvenir. Je me rappelle plus comment elle est. Ça va sentir la plaquette là encore à la fin. Un jeu de plaquettes par sortie, il va falloir que je mette du budget. Tu vois, même si elle était plus caillouteuse, je préférais la première partie. Avec un peu de chance, vu que j'ai le frein qui fuit à l'arrière, j'ai plus de liquide à arriver en bas. Ça lissouille un peu. Je vous avouerai que je suis pas les plus à l'aise sur le spad. Ah ça y est, à la faute Seb. Ouf. Allez, ben finalement on s'était trompé, mais on a réussi à récupérer le chemin. Donc enfin normalement on est sur le chemin. On va voir ça, normalement on a fini les descentes. Tiens, elle était raide celle-là. Elle était raide sa race. En plus j'ai la fuite à l'arrière, du coup je suis obligé d'appuyer comme un malade. J'ai pas un bon toucher sur le frein arrière.
à un moment donné, c'est pour ça que je me suis mis sur le côté, parce que je pouvais plus tenir les freins. Après, je suis juste avoué que même à un moment donné, je commençais à fatiguer là. Oh, c'était une descente de malade, mais enfin bon, tu t'amuses. Enfin, moi perso, là-dedans, je m'amuse pas. T'es sur les freins, tu t'es glissé. C'est pas là où je m'éclate le plus. Hein. Allez, on va continuer à pédalouiller, puis on va essayer de se rentrer tranquillou aux voitures. Allez, ça m'entouille toujours un petit peu là. Un petit single bien sympa entre les arbres. On est bien. Je regrette vraiment pas mon changement de vélo, parce que là, avec le musculaire et ce qu'on vient de se taper, j'aurais morflé ma race. Là, je m'amuse. Allez, ça descendouille un peu. On en profite. Ah, ça descendouille plus. On est bloqué. Ah oui. Bon, ben, quand on aime, on compte pas. On a re-signé pour une petite montée. On n'est pas rentré aujourd'hui. C'est déjà presque midi. On n'est pas rentré en voiture. Je vais me faire crier, moi. Bon, allez, on va se redescendre un peu là. On va essayer. Ah, tant pis. On passe au travers. Ouais, c'est tranquille. Ça tourne. Quoi, je me suis niqué. Ah, ça fait mal. Ah, aïe, 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 aïe. Ah, ça fait flageoler. Ça fait flageoler. C'est bon, ça. Ah. Dernière petite descente tranquille là, franchement. Oh putain, oh dédé, il est pas tombé. Ah, et ça continue par là. Ah, il va falloir venir débroussailler là. Ouah. Aïe. Ouais, c'est là, c'est ça. D'habitude, je fais un bonny hop là par-dessus. Allez, on a retrouvé la civilisation. On a un petit peu tricoté sur la fin de sortie. C'est une belle petite sortie là. Il doit nous rester encore quelques kilomètres avant d'arriver au bout. Là. Et voilà, ça va être par la route, tranquillement. Tranquillement, tranquillement. On a fait 869 mètres de dénivelé. Bah, une belle sortie. Puis la cuisse, elle a tenu, je suis content. Mais à eux, au moins, ça m'a servi. En musculaire, je suis certain que j'aurais pas pu, parce que je l'ai senti quand je commençais un peu à forcer. Alors que là, j'ai pu sortir. Vraiment, vraiment, vraiment content. On lâche rien, tant que le physique y tient. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, moi. Je rentre en kilo voiture. Ciao tout le monde.